Parce que l'année dernière, l'enfant s'est senti. Voilà. Le matin, je suis là. Alors les amis, là je suis arrivée à Trobarc. Moi j'attends le bus là, qui le casse là pour y aller à Mansavé pour la fête des soins. Voilà. Déjà là-bas il y a le cirque de Nice qui est là-bas. Voilà. Voilà et voilà. Là, le bus est arrivé dans 3h32. Voilà, c'est ça, 3h32. Voilà les amis, je suis arrivée à Mansavé. Voilà, direction le parc de la campagne. Voilà. Du coup, on va aller au lobby, à tout à l'heure. Les amis, je suis à la fête des fonds de Mansavé. Voilà, il n'y a rien que ça. Il y a le forain là qu'on avait vu, il y a ce soir de Mansavé là-bas. Ouais. Et il n'y a pas le cirque au recircuit. Du coup, c'est nul. Pourquoi ils n'ont pas, invité cirque au recircuit comme l'année dernière qu'ils ont fait. Voilà, quoi. Bisous. Voilà mes amis, la fête des soins. Alors, on part la campagne. Voilà les stands qui sont présents. Le stand du forain, la fureuse crêpe, barba papa, gaufre et boisson. Voilà la maison du soin de bosse. Truc en plus. Après, il y a l'esprit d'eau. Voilà. Après, il y a plein de stands. Voilà. Mais il n'y a pas le cirque au circus de la famille. Il n'y a pas le cirque au circus de la famille Candel comme de l'année dernière qui sont venus. Mais ils ne sont plus là cette année. C'est nul. Voilà. Mais voilà le stand qu'il y a. Bisous. Les amis, j'ai pris une gaufre chaude de là, ça va être bon avec Allez, voilà, on y va.
shadow. On his hands, carried to storms. On the face of earth. Des voies. Oui, puis le vélo, ça fait partie voilà, des sports qui sont présents sur le territoire de la ville d'Avignon depuis plusieurs années, notamment sur Montfavet avec le Christophe Vélo Club. Donc moi, je suis ravie que cette course, elle fait partie maintenant du calendrier de la fête des foins. Voilà. Avignon a toujours accueilli avec beaucoup de bonheur les cyclistes, que ce soit des cyclistes du quotidien, mais aussi les cyclistes sportifs. On n'oublie pas que dans le Vaucluse, il y a quand même le géant du Ventoux et qui a souvent accueilli d'ailleurs le Tour de France. Donc je souhaite surtout une belle course à tous les participants. Voilà, écoutez, voilà. Vous allez garder le micro parce que c'est vous qui allez donner le départ. Hein, donc vous allez nous faire le décompte à partir de 5. Ça va les gars, vous êtes prêts hein, pour 70 tours, 70 kilomètres. Voilà, donc eh bien c'est quand vous voulez, madame le maire d'Avignon. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Voilà, vous avez l'habitude de réussir à Avignon des départs et des courses. C'est quand même une belle course amateur avec. Thank you.
Bravo. C'est parti. 1, 2, 3. Mettez-vous sur le côté, merci. S'il vous plaît. Voilà. Bon, ben bien, oui, il est. Bonjour, madame Boulard. Ça fait trop. Non, je te mets pas devant avec l'appareil photo. Bravo! Voilà, alors mesdames et messieurs, on s'adapte à la situation qui n'est pas de notre ressort, qui n'est pas de notre fait. Il suffit de suivre le cheval Taquin, son meneur Michel, 750 kilos. Alors pour le cheval, pas pour le meneur, hein. Ah ben, voyez, t'as dit... Allez, venez me rejoindre. Thank you.
Voilà, donc mesdames et messieurs, vous pouvez vous avancer, n'hésitez pas. Donc les discours qui sont un peu particuliers sur la scène, d'habitude on est en plein au milieu du parc de la Cantonne, et je vais passer donc la parole au président du comité des fêtes. Voilà, il va chanter, tout est installé. Donc Yacine Aït Lalama, je te passe la parole. Bonsoir à tous. Désolé pour la coupure, ça vient pas de nous, hein. Ça va s'adapter ce soir, en espérant que ça va vite revenir pour pouvoir vous proposer de quoi vous restaurer. En tout cas, merci à tous d'être venus si nombreux. Merci à la Carette d'être toujours présente et nous aider au maximum, voire plus que le maximum. Donc merci Thierry et ton équipe. Merci à la municipalité. Merci aux sponsors, Expert Fixation, Orpi, Terrenca et Crédit Agricole. Merci à tout le monde. On espère passer un gros week-end. Pour l'instant, la météo, jusqu'à dimanche, on est bon. Et puis, ben, ce soir, l'avantage de l'électricité ici, on va pouvoir quand même faire notre petit concert. Et on va espérer que ça revienne vite. Donc, amusez-vous bien, profitez et à très vite. Je vais vous passer Mademoiselle Laure Minsen, élue à Montfavet. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus et d'être fidèles au rendez-vous comme chaque année. Cette année, c'est ma deuxième année, une année particulière. On nous fait le coup de l'électricité. Nous allons nous adapter. J'espère que vous allez bien profiter sur ces trois jours. On a fait en sorte d'écouter les remarques qui nous ont été apportées l'année dernière pour modifier certaines choses. On a remis de la tradition, on a modifié quelques petites choses. Donc j'espère que vous y serez sensibles. Bien évidemment, je m'attends à des petites critiques, mais ça c'est normal et ça sera avec plaisir que je les entendrai pour encore mieux s'améliorer l'année prochaine. Je tenais à remercier tous les élus qui me soutiennent au quotidien sur Montfavet, Madame L de sa confiance à chaque fois, nos sponsors, nos associations ici présentes. Un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui œuvrent pour Montfavet et pour faire en sorte que la dynamique prenne petit à petit. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant, il y a une année, nous avons 4 manifestations par an. Donc je suis assez fière de ça et de ce qu'on réussit à faire, de tout le travail qu'on construit petit à petit. Merci à toutes et tous et passez une belle fête des foins. Bravo! Voilà, merci Laure Minsen. Et je passe maintenant la parole à Madame Cécile L, maire d'Avignon. Bien, bonsoir à toutes et tous. Juste quelques mots, moi aussi, pour remercier tous ceux et celles qui portent aujourd'hui cette fête des foins. Donc évidemment, les élus qui sont présents sur Montfavet, en particulier Laure, avec Christian, Annick, Françoise, Laurence aussi, qui est peut-être dans les parages. En tout cas, c'est cette équipe-là qui est plus que jamais mobilisée, et en particulier Laure et Christian, parce que ce qui caractérise la fête des foins, c'est d'être à la fois sur le côté festif, évidemment, et tout au long du week-end, il va y avoir plein d'animations et plein d'événements, et notamment la dimension culturelle avec le concert de ce soir. Des événements aussi sportifs, puisqu'il y a la course qui est en train aussi, la course cycliste avec le Christophe Vélo Club, mais il y a la dimension aussi lien de Montfavet à l'agriculture. Et donc ça, c'est vrai que dans l'équipe, c'est plutôt Christian qui défend cette identité-là, et notamment qui est très présente, voilà, sur Montfavet, avec la partie de la fête des foins. C'est aussi pour ça que parmi les sponsors qui ont été évoqués tout à l'heure par le président du comité des fêtes, bah, on a le Crédit Agricole, qui est un sponsor historique. Je voulais juste souligner, on est allé voir l'exposition qui est proposée à l'espace Métaction et qui montre aussi combien la fête des foins, elle est ancrée dans l'histoire d'Avignon, bien sûr, mais encore plus du quartier de Montfavet. Grégoire, tout à l'heure, nous re-racontait, en fait, que c'est une fête qui a démarré même au 19e siècle et qui a ensuite été reprise, notamment par Henri Agu. Et je pense que c'est une fête qui a su évoluer aussi, et notamment sous l'impulsion à la fois de Laure et du nouveau président du comité des fêtes. Il y a des choses nouvelles aussi qui viennent insuffler cette dynamique que vous avez souhaitée depuis 2 ans maintenant. Bon, des fois, il y a des petits couacs. Ben, oui, de toute façon, l'électricité, ça, c'est quand c'est un pylône qui nous lâche, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, vous voyez qu'il y en a encore un peu pour qu'on puisse faire la fête ce soir.
Mais je voulais remercier voilà, les associations de Montfavet qui sont vraiment à fond avec nous, notamment la Carrette, avec évidemment toujours cette charrette avec les foins et le cheval qui arrive dans ce parc de la Cantonne, mais aussi le très bel espace voilà, que j'ai toujours plaisir. Je suis sûre que le temps sera avec vous. Et la fête des foins, elle nous permet d'imaginer qu'on est encore un peu en vacances, que c'est encore un peu l'été, et c'est qu'à partir de lundi prochain qu'on se replongera vraiment dans les vicissitudes de la rentrée. Très belle soirée à vous, et surtout très belle fête des foins 2023. Bravo! Voilà, merci Madame le maire. Donc cette cérémonie est terminée. Et donc, Yacine me dit de préciser que parmi les sponsors, il en manquait un. C'est le cellier des Chartreux et Villavigne. Je l'ai oublié, on ne l'a pas mis sur le truc, mais c'est lui qui nous a mis à disposition toute la buvette. Voilà. Merci à vous, mesdames. Oui, Laure. Je vous invite donc à vous avancer au milieu du parc pour boire le pot de l'amitié, comme chaque année. Les agents sont là. Je remercie aussi Eric et son équipe, sans qui cette fête des foins aurait eu du mal à se faire. Donc merci vraiment aux équipes et à son staff, à mon service technique qui est là toute l'année, mais là encore plus aujourd'hui. On sait les galères qu'on a traversées depuis ce matin. Donc je vous invite à vous avancer et à boire un verre. Merci beaucoup. Ah, et le courant est revenu, a priori. Ouais, ça y est. Je suis rentré chez moi, voilà. Voilà, comme vous avez vu, voilà, je suis resté jusqu'à 19h07. Après, je suis parti chez la sociale, et voilà, là, je suis chez moi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous avec la cloche pour recevoir des notifications. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Sur mes 50 Instagram, @ilestcircus, @ilestcircus84, @sandopenirfamily, @sandopenirfamily84, @sandopenirfamily84, cirque, @cirque-eilestbataymaké84. Sur mes deux comptes Facebook, Lila Noisette et Ilias Batavi. Ma page Facebook, Cirque Ilias Batavi. Sur mes 50 TikTok, Ilias Batavi. Ouais, qui faisait 84 fans. Yes, fan, Ilias fan de la Pénière Family. Fan du Cirque 84. Et Ilias Batavi 1. Et mon Snapchat, Batavi 23. Likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous avec ma cloche. Si abonnez-vous à ma chaîne YouTube, bien sûr. Abonnez-vous et likez, commentez et abonnez-vous avec la cloche pour recevoir des notifications. Likez, commentez, partagez. Et je vous fais de gros bisous. Bisous tout le monde. Bonne soirée.